à tous. Vous avez envie d'une petite création? Quelque chose de facile, sympa? Oui? Alors on y va. Cette pochette, très facile à transporter, spéciale pour bébé. Cette poche, vous l'avez compris, pour mettre les lingettes. Ici, les couches. Et ici, les crèmes ou autres. Ce modèle, libre à vous, ou le faire avec deux tissus différents ou avec un seul. Pour ma part, je vais utiliser celui-ci comme tissu principal et celui-ci pour l'intérieur. Afin que ça soit simple pour tous et pour la suite, je vais nommer les pièces. Celui-ci sera le tissu principal à couper 30 cm sur 40, deux fois. La pièce A, qui est la pochette des lingettes, 19 cm sur 30, coupée deux fois. B, la grande pochette, 30 cm sur 36, coupée une fois. C, la petite pochette, 30 cm sur 28, coupée une fois. La languette pour attacher la pochette, 8 cm sur 12, à couper trois fois, deux fois dans le tissu et une fois dans le thermocollant. Thermocoller un morceau de languette, tracer les valeurs de couture de là à là 1 cm et idem la même chose de ce côté. Arrondir, faites la même chose des deux côtés, endroit contre endroit et piquez exactement sur le tracé. Commencez et finissez par un point d'arrêt. Dégagez la partie arrondie. Retournez sur l'endroit et faites une surpiqûre de la valeur des pieds presseurs. Prendre le morceau tissu principal, le morceau qui va être à l'extérieur, qui va représenter la pochette. Dans la largeur, pliez en deux, marquez le milieu, idem, le milieu, et mettre milieu sur milieu. Épinglez et piquez à 3 mm. Pliez en deux dans la largeur, marquez le milieu, je vous le trace pour que ça soit visible sur la vidéo, et à 6 cm exactement, vous faites une croix. Cette partie à renforcer avec un morceau de thermocollant, ou voire même deux morceaux, l'un sur l'autre. Percez, positionnez le bouton pression, la tige, elle doit traverser la matière, mettez côté femelle sur l'endroit, et grâce à votre pince, positionnez votre languette au milieu à 2 cm du bord. Idem, vous faites un petit point, percez. Faites attention de ne pas vous tromper. Mettez bien la languette en face. Cette fois-ci, vous allez mettre la tige sur ce côté. Et pareil, grâce à votre pince. Surtout, faites bien attention à cette opération. Ne pas vous tromper dans le sens du bouton. Mettre de côté. Nous allons préparer la pochette A, la pochette de la lingette. Endroit sur endroit. Pliez dans la largeur pour marquer le milieu. Pliez dans la longueur pour avoir le milieu. Pour ma part, j'ai tracé légèrement pour que vous puissiez voir. Vous avez l'axe du milieu. De là à là, vous mesurez 5,5 et la même chose de l'autre côté. Vous sortez de 1 cm de chaque côté. Vous faites la même chose en bas, 1 cm aussi. De chaque côté de cette ligne, vous sortez de 2 cm, de là et 2 cm ici. Tracez de cette façon. Vous aurez cette forme. L'idéal, ça serait de prendre la boîte de lingettes et adapter exactement l'ouverture au paquet. Pour ma part, je n'ai pas de lingette bébé. Piquez maintenant sur ce tracé, exactement. Faites bien attention, vous avez les deux pièces endroit sur endroit. Toujours point d'arrêt début et fin. Coupez en faisant une fente au milieu. Et venez couper tout autour à 3 mm.
Faites des crans tout autour, des petits crans. Retournez sur l'endroit, écrasez bien l'ouverture et faites une surpiqûre tout autour de l'ouverture. Faites une piqûre de maintien de 3 mm. Nous allons passer à la pose du biais. Choisissez de préférence un biais de 2 cm de large. Posez à cheval en mettant le tissu bien au fond. Laissez dépasser de 2 à 3 mm. Pliez et piquez. Piquez à 2 mm du bord. Prendre la grande pochette, plier en deux, envers contre envers, épingler. Faites la même chose pour la petite pochette, plier, épingler, piquer ici et ici. Attention dans la longueur de vos 30 cm. Faites juste une piqûre de maintien de 3 mm du bord. Votre tissu le pli. Prendre le biais et le poser. Et vous faites la même chose pour les deux morceaux. La petite pochette sur la grande pochette. Mettez le côté du biais le plus beau, apparent. Épinglez tout autour. Contrôlez la distance que vous avez de ici au bord de la petite pochette. Cette distance doit être égale à celle-ci. Mesurez 10 cm de là à là et la même mesure en bas, de ce bord vers l'intérieur 10 cm. Piquez dans ce sens, point d'arrêt début et fin. Et vous faites la même chose pour ce côté. Prenez le tissu principal, endroit apparent, positionnez les pochettes d'un côté, pochette de la lingette. La distance que vous avez de là à là doit être égale à celle-ci. Faites une piqûre de 3 mm tout autour de la pièce. Placez ce tissu endroit sur endroit. Épinglez tout autour. Laissez une ouverture, la largeur de votre main. Commencez par un point d'arrêt. Faites tout le tour et finissez par un point d'arrêt. Piquez à 1 cm du bord. Dégagez tous les angles. Retournez sur l'endroit. Repassez votre pochette tout autour pour écraser la couture. Épinglez l'ouverture et surpiquez la valeur de 2 à 3 mm tout autour de la pochette. Point d'arrêt, début et fin. Cette pochette, bien sûr, est prévue pour bébé grâce à cette partie. Mais si vous voulez la réaliser pour vous, il suffira juste d'oublier cette opération, celle de la découpe. En attendant nos prochains rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous.